Donc voilà, aujourd'hui Breda Rotterdam, 56 km. Pas d'étape longue, normalement 3 heures de vélo. C'est un petit souci, la pluie qui aujourd'hui est un peu galère. Ce matin il pleuvait tellement qu'on a décalé notre départ à quasiment 13h au lieu de 10h. C'est pas du tout parce qu'on était à midi. Parce que hier on avait trop picolé. C'est vraiment parce que. Vraiment à cause de la pluie quoi. Donc en plus on a commencé la journée sur un petit déraillage des dérailleurs avant. Donc il faut savoir que sur un tandem c'est juste le plus chiant. C'est la seule panne qu'on voulait éviter. Donc ça c'est fait. Et puis voilà quoi, après voilà, il n'y a pas vraiment de verdure, c'est un peu national. Mais ça devrait être mieux entre Rotterdam et Amsterdam. Donc voilà, aujourd'hui voilà, c'est plus une étape parce qu'il faut la faire. Attention, plaque d'eau. Voilà, donc là j'ai pris une douche. La première du séjour. Mais voilà quoi, c'est dans ces moments-là aussi qu'on s'est dit l'auberge. Oh, j'ai perdu les pédales, attendez. Voilà. Oui, j'ai perdu les pédales qui ne bougent pas, mais il n'y a que moi qui bouge. Allez, donc oui, la petite astuce, de temps en temps vous lâchez, hein. J'ai perdu des pédales, comme ça le mec devant a cru que vous pouviez y aller. Alors que non, pas du tout. Mais voilà, ça c'est la petite astuce cadeau. Oui, je vais jamais pouvoir upload cette vidéo sur Facebook. Elle est beaucoup trop longue. À un moment, j'ai filmé les 50 km de vélo. Donc voilà. Donc là, carrément, on est dans une ville, il y a un garage automobile. Une station service, donc c'est. Voilà. C'est bien pour ça qu'on a fait un road trip quoi. Zéro canal, rien du tout. Donc là-dessus, je vais vous laisser. Ou pas d'ailleurs, ça dépend si j'ai encore des choses à vous dire. Mais voilà, nous sommes encore en vie. Je vais essayer de vous. Ah non, j'ai le bras trop court pour vous montrer celui de devant. Donc voilà. Oui, non mais vous conduisez parce que j'ai envie d'être en vie. Oula, oui, conduisez bien. Enfin. Et bah écoutez, hein, on verra ce que donne Rotterdam. Allez, à plus tard.